anorexique et gros, nichon en plastique. On s'est dit qu'on allait avoir une approche différente entre la scène et le disque. Oui. C'est vrai. Sur le disque, il y a beaucoup de musiciens, c'est assez produit, il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup mon invité. Voilà, il y a un morceau avec Jeanne Balibar, voilà, Balibar qui chante un titre. Il y a un morceau avec Mahu qui a percussion. Mahu qui joue avec Higelin. Il y a plein de gens. Il y a aussi notre ami Samy Bondécoster qui fait aussi son propre groupe. Voilà. Il y a une quinzaine de personnes. Voilà, et surtout une méthode très électronique parce qu'on voulait une prod moderne, donc c'est une réalisation de disques électroniques, même si à la base on a vraiment quoi des chansons. Donc on est allé à fond dans les extrémités de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là avec des ambiances sonores, des jouets, du bidouillage, notre machine à laver, voilà, et tout ce qu'on pouvait donc enregistrer, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire sur scène. On a eu vraiment une approche qui est plus celle d'aller vers les gens, de leur faire écouter les chansons d'une façon plus simple, plus directe, à avoir vraiment voilà, quoi, la base quoi, des titres. Et... Venez mordre la vie de vos lèvres fanées à pleines dents pourries. Bienvenue au bal de l'empereur, prenez le banc du front si vous n'êtes pas des leurs. Ce disque, c'est un peu comme un accouchement, quoi. J'avais vraiment besoin d'écrire tous ces mots. Je raconte un petit peu ce que j'ai vécu ces dernières années, mais il y a aussi pas mal d'autofiction. Ça s'est fait comme une petite session de studio de 4 jours autour de quelques titres avec un goût de trop peu, puis une deuxième session, puis à la troisième session je me suis dit on est peut-être en train de faire un disque là. Sur ce disque il a voulu aller jusqu'au bout en tant que musicien. Qui est un voyage d'une âme flottante. Donc c'est pas du tout morbide, c'est au contraire, c'est on peut imaginer quelqu'un qui serait mort et qui dit que c'est super là-haut, qui voyage, qui passe dans l'eau, dans l'air, et c'est une chanson complètement immatérielle. De duo, c'était pas du tout la question. Comme j'écris, je compose toutes les chansons, enfin je les interprète aussi. Et lui, de son côté, il a une vie de chanteur bien remplie
Et là, son rôle, il est très, très net. Il est arrangeur et producteur du disque et aussi musicien sur le disque et sur la tournée. J'avais envie de m'investir dans l'aider à... Il y a des choses, quand j'aime bien quelque chose, à la limite, ça m'énerve de ne pas pouvoir donner mon point de vue jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Tu es mon temps ouvert vers le large, mais rassurant. Tu es mon port à l'abri des nuages, scintillant, éblouissant. Un port de pêche où mes péchés se dissolvent instantanément. Un port qui m'accueille et me comprend. Tu es mon port sauvage. Tu es mon port, et partout les ports, je sens ton odeur sauvage. Quand tu te penches sur moi et ne bouges plus du tout, parce que c'est comme ça avec les porcs. Quand ils ont vraiment très envie de toi, tu es mon porc de tête. Tu me maintiens si bien. Et il y a toujours eu beaucoup de passerelles entre les deux. Alors après, on pourrait parler longuement des difficultés que ça cause aux uns et aux autres de passer d'un domaine à l'autre, et aussi de la valeur de ces difficultés, de ce que ça a de précieux. Parce que nous, on a l'habitude de la scène, mais pas comme ça. Alors tout d'un coup, on se retrouve plongé dans une chose, la musique qui peut aussi qu'on fait pas tous les jours, très régulièrement. Alors ça nous pose des problèmes, mais ça apporte aussi des choses, un côté un peu, désinvolte peut-être, qui peut être précieux parfois. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de figures comme ça, d'actrices qui ont chanté, auxquelles, depuis toute petite, je me suis sinon identifiée, du moins intéressée. Jeanne Moreau ? De Jeanne Moreau, bien sûr, à Zouzou, même à des figures comme ça de la nouvelle vague, en passant aussi par Marilyn Monroe, à qui je ressemble tellement que c'est difficile. C'est vrai que c'est frappant. Je sais pas, même Robert Mitchum, par exemple. Robert Mitchum, je suis beaucoup identifiée. Vous ressemblez beaucoup à Robert Mitchum.